Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer, on va rentrer du regain en vrac. C'est parti! Alors aujourd'hui nous sommes le 2 septembre 2021 et puis on a fauché il y a 2 jours de la deuxième coupe. Vous vous souvenez ici? Je ne sais pas si ça vous rappelle des petits souvenirs. Le foin qu'on avait fait ici était allé sous la pluie, ici en haut en tout cas. Puis on a droit fait tout le coin qu'on avait fauché aussi plus tard là. Tout en dessous là, le 19 juillet et puis sous la forêt. C'est droit tout fauché. Et puis cette fois, ça sèche beaucoup mieux que la dernière fois ici en haut. Hein, je rigole mais c'était pas tellement drôle. Et puis du coup, aujourd'hui, on va commencer de charger ça avec une nouvelle machine. Je vais vous montrer et puis on va l'amener chez mon patron parce que mon patron il en a pas assez. Puis du coup je vais en vendre un peu puisque nous on en a bien assez. Voilà, après toutes ces belles paroles, je vais vous montrer comment on va faire ça. Première chose, donc il est 1h de l'après-midi là, les faucheuses sont encore crochées. Alors on va commencer par décrocher tout ça et puis après on va continuer par aller chercher l'autochargeuse. Du coup c'est parti. Music licensing reimagined. Voilà, on se retrouve, on est à peu près 1 heure plus tard là. Je suis allé chercher la nouvelle machine à essayer là. Là, l'autochargeur, donc c'est la troisième fois qu'on la prend en démo cette année. J'ai jamais vu encore eu l'occasion de pouvoir vous la montrer. Alors, vous la verrez plus brièvement après. C'est une grave. Là, c'est une 28 mètres cubes en démonstration. Donc. Et puis, j'ai commencé de charger chez mon patron là. Des beaux petits regains. Ce qui est bien avec cet autochargeur, c'est qu'on peut aller vite par rapport à notre vieille. Et puis, ça déjà la troisième autochargeuse là. Une fois qu'on aura fini ça, on va aller charger du regain chez nous, celui que vous avez vu avant, pour amener chez mon patron. Donc ça sera après. Il faut encore une ou deux autochargeuses ici. Et puis après, on verra quoi. Du coup, voilà. Alors actuellement, il y a le père de mon patron qui est là, en train de l'ordonner, avec le classe Helios, et puis le même ordonneur que nous, classe Linear 450T. Voilà. Et puis, du coup, mon patron, il est sur le pont roulant pour charger tout ça, pour soirée. Ici, on se retrouve zone de déchargement. Alors, vous voyez une belle allée. On entre d'un côté, on sort de l'autre. Et puis, mon patron est là-haut. Et puis, je suis en train de décharger. Vous voyez comme ça va bien. Plus besoin de descendre du tracteur, la porte qui s'ouvre tout seul, le pont roule. Tapis qui se met aussi tout seul, ça va extrêmement bien, c'est top, ça avance très 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 bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en plein dans les regains. On va faire quelques deux trois choses, je vais vous montrer dans les regains. Du coup on est parti pour les fins des regains 2021, c'est parti. Alors hier soir on a amené une botte de silo au pâturage avec le Deutz. Et puis maintenant qu'on l'a amené, on va enlever le pic ici. Les bottes, j'y arrive, voilà. Et puis on va enlever le pic, puis on va aller crocher la pirouette pour pouvoir pirouetter encore une fois le regain pour qu'il soit bien sec. On en a ramassé une partie hier. Donc maintenant que j'ai enlevé le pic, on va prendre notre Deutz et puis on va aller crocher la pirouette. C'est parti.
vient de reculer vers la pirouette. Du coup, on va droit l'atteler. Voilà, alors j'ai décroché, comme vous pouvez voir, l'autochargeuse, la Grare. J'ai croché la Gedorn, notre autochargeuse. Tout simplement parce qu'on va refaire comme la dernière fois, on va aller ramasser les bouts d'andins qu'il y a au bord du champ de céréales. Et mon oncle, il est en train de faire un andin sous la forêt où c'est qu'il n'y a que de l'ombre, qu'on va aussi prendre. Et après, on va l'étaler où c'est qu'on a déjà ramassé hier. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris la Gedorn pour faire ça. Comme ça, après, je vais droit pouvoir la souffler, nettoyer tout pour l'hiver, puis la graisse, et puisqu'on va plus l'utiliser, la Gedorn. Voilà. Du coup, on est parti. Voilà. On est en train de vider, on a chargé, j'ai chargé l'autochargeuse, et on est en train de la vider. Mon oncle qui est derrière, qui actionne le tapis manuellement, et moi ben, je suis en train d'avancer tout gentiment pendant qu'il vide. Et une fois qu'il aura vidé, on aura fini de vider, on prendra les fourches pour en étaler le job plus gros pour pouvoir passer avec la pirouette derrière. Voilà. Voilà, je viens de finir de souffler et de graisser l'autochargeuse, la nôtre, la Gedorn. Pour l'hiver, du coup, elle est prête pour hiverner, là, pour l'hiver. J'ai rangé, normalement, on ne devrait plus la servir, à part s'il y a vraiment une urgence. Et puis, du coup, non, on les lave pas. On les préfère, les machines comme ça, on préfère... ouais, juste l'autochargeuse, on préfère pas la laver, on la souffle. C'est assez délicat, tout ça. Alors, on la souffle juste, puis elle revient assez propre. Hein, y a juste un peu... On pourrait donner un petit coup de patte, la poussière ici dessus, mais... Sinon, le reste, c'est tout propre ici dedans. Comme neuf. Et puis du coup ben voilà, je la décroche, je la mets là, j'ai enlevé les couteaux graissés, donc ça, les couteaux, on va pouvoir les aiguiser. Maintenant ben je vais la décrocher et puis on va aller recrocher la Grare. Et puis avant ça, je pense on va vite aller faire les petits andins pour que ça sèche, mais sans trop fracasser le fourrage. Je vous explique ça tout de suite, on y va.